Voici un aliment puissant, d'accord, qui fait la différence sur la libido masculine. Tu es victime, d'accord, d'éjaculation précoce, tu es victime d'érection molle, ça veut dire que ton zizi se lève et après ça retombe, d'accord, ou alors tu es victime du manque d'érection, ça veut dire que ta copine n'a qu'à jouer avec ça n'importe comment, elle n'a qu'à te caresser ou alors même à faire le striptease, rien ne va se lever. Alors, tu souffres du manque d'érection. Et donc, voici un aliment dont la consommation régulière va pousser ton organisme à produire beaucoup plus de testostérone, qui est l'hormone qui fait qu'un homme est un homme. Alors, messieurs, écrivez en commentaire testostérone. Parce que chaque fois qu'il y a un souci au niveau de la libido, vous devez toujours questionner la qualité ou la quantité de votre testostérone. Donc, vous avez ici le chou-fleur, qui fait partie de la famille des crucifères et qui va contenir une substance qu'on a appelée l'indole 3C-carbinol, qui est une substance qui, une fois dans l'organisme humain, va stimuler la production de la testostérone. Et donc, vous avez le chou-fleur, vous avez aussi le chou rouge, vous avez le chou romanesco, vous avez le chou blanc ordinaire, vous avez le chou vert, le chou chinois. Messieurs, le chou doit... désormais fait partie de votre régime alimentaire à titre préventif, mais aussi à titre curatif pour ceux qui sont déjà au niveau du manque d'érection ou de l'érection molle déclarée. Écrivez en commentaire le chou. Messieurs, écrivez en commentaire le chou. Et s'il vous plaît, messieurs, partagez massivement cette vidéo à vos collègues de service, aux amis, aux connaissances, à vos frères des associations familiales, d'accord, et également sur vos stories Facebook et dans les groupes Telegram où vous êtes pour aider les hommes de votre communauté à comprendre que le chou doit faire partie de l'alimentation du quotidien de vos proches afin pour d'améliorer la production de la testostérone. Le deuxième avantage, c'est que le chou contient beaucoup de vitamine C, qui est une substance qui va agir dans le sens où elle va réduire la fatigue, mais surtout elle va contrebalancer l'effet du stress. Donc les hommes qui sont stressés en général, d'accord, il faut savoir que la consommation du chou aide aussi à augmenter la testostérone et par conséquent à réduire la sécrétion du cortisol, qui est l'hormone qui est sécrétée lorsque vous êtes stressé et qui va agir négativement au niveau de votre libido. Donc, le chou-fleur, les crucifères, le chou vert, le chou blanc, le chou rouge doit faire partie de l'alimentation des hommes. Donc, repartagez la vidéo, les amis, et écrivez en commentaire chou, écrivez en commentaire testostérone. Parce que ce sont les deux informations clés qu'il faut retenir de cette vidéo. C'était Josie K, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Passez une excellente journée et retenez que l'information est tirée de ce livre, Performance sexuelle au top, que je vous invite à vous procurer. Au revoir.